get low when the whistle go. Bien, salut à toutes et à tous, c'est Dragon X pour une nouvelle vidéo, donc un vlog, la partie 2. Là, on est en train de manger, alors pas de passement de produit. On boit ça, vous savez pas ce que c'est. Voilà, on fait une dégustation de Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. On vient avec ça, c'est du goût 100%, 100% USA. C'est vrai, oui, parce que ça, c'est un goût que je connais pas. Moi j'ai goûté le doigt en l'air. Alors attendez. Le doigt là, le rouge là. Ça. Là t'as goûté quoi toi? Le doigt. Ouais. Il est bon? Ouais. Moi aussi je le trouve vachement bon. Attends, il veut pas faire la mise au point. Ah ouais. C'est vachement bon ça. Ouais. Perso j'aime bien. Les bons petits casse-dalles. Manger des casse-dalles, pas de placement de produit toujours. On a pris des poulets crudités et des petits chips. Voilà, je savais pas c'est quoi, bien sûr. Pas de placement de produit dans cette vidéo. Alors là, je vais faire la dégustation. Que vais-je déguster? Le smoothie là, le rouge, ça a l'air bon. Je vais goûter ça là, ça a l'air pas trop mal. Ouais, ça va, c'est pas mal, c'est plutôt bon. Ouais, donc ça c'est bon, je vous les conseille. Donc voilà, ça c'est le seul placement de produit de la vidéo, parce que c'est tout ce que vous pouvez acheter. Parce que c'est bon. Donc voilà. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Vas-y, moi j'ai dégusté un truc. Vas-y. Alors. Montre-nous qu'est-ce que tu goûtes. Les petites argentiers. En dollars. Monnaie, les mecs. Okay. Attends, on vous montre. Monnaie. Voilà. Un billet. Vas-y. C'est pas mauvais. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais, c'est ça. Ouais. Ok. Bah un peu moins avec le smoothie. Voilà, on a fait cette petite dégustation juste pour le fun. Passez-moi la bouteille. Merci, mais... Après, on va faire autre chose de mieux. Vous verrez dans la prochaine juste séquence. Après. À tout à l'heure. J'en ai arrivé, c'est ici. Donc je vais vous faire un morceau de vlog entre chaque étape. Donc on va essayer d'aller plus loin possible sans se faire engueuler. J'ai récupéré mon bâton, moi. Ouais, ce gros bâton, il a mis une ficelle au bout. Moi j'ai trouvé un truc par terre, je l'ai taillé en bout, c'est en pointe, regardez, voilà, c'est en pointe. On a planqué la tête trop là-bas. Je vais descendre, tu me passeras mon bâton, parce que si je filme ça va être compliqué. Donc alors. Bah vas-y donne, je filme au pire. Non t'inquiète, je vais vous faire en vue un peu première personne, c'est plus stylé. Donc alors là les gens, c'est bon, je suis en bas, regardez. Je suis descendu. Vas-y, passe mon bâton. Donc je vous filme après. Là les gens, je suis passé, maintenant c'est à lui. Allez, on le regarde, on l'observe. Pas envie que mon téléphone et tout. Donc là on peut le voir, il descend. Vas-y. Voilà, il est descendu. Allez, maintenant tu sautes ici. Donc il faut atterrir là parce que sinon après on se fait mal. Alors. Il a cassé son bâton. Non. Si. Il manque le bout. Lequel, lui? Il a pété l'extrémité. Là? Oui. C'est moi qui l'ai pété tout à l'heure, je l'ai taillé. Ah. Ok, donc là vas-y, tu veux que je te prenne ton bâton? Ton bâton. Bah voilà, tu sautes et tu le rattrapes. Allez, on va filmer ça. Allez. Eh, c'est chaud, non? Je me suis pété le pied là, hier. Bah moi je viens de me péter le pied. Mais ça va, ça fait pas mal. Oh, la réussite. Failli tomber dans l'eau aussi. Non. Voilà, on se retrouve à la prochaine étape. Alors voilà, on est passé. Donc cet homme a pété le point d'appui principal. Mais au moins ça fait un autre passage. Où, c'est un plus, peu plus moins risqué. Ouais, c'est ça, moins risqué. Donc vas-y, je te filme, vas-y, tu passes.
Mais je mets mon bâton après. Ouais. Tu t'accroches au caillou. Hein. Allez, vas-y, il va sauter. Attends. Fous ton bâton de l'autre côté. Non, ou défonce les orties. Voilà. Là, il démonte les orties avec son bâton. Vas-y, explose-les pour plus qu'elles nous foutent. Attendez, je m'approche un peu. Fouette celles qui sont là-bas, là. Celles-ci, là. Voilà. Alors, les mecs, dites-vous de bien. Là, hier, on s'est fait jarter. Ouais, il y a un mec qui... On prend un gros risque, là. Ouais, on prend un gros risque, comme Ibra TV. Ibra TV, c'est une merde. Non, je déconne. Lui, il est bien. Lui, il est bien, il fait des trucs de thug. Il fait des trucs de thug, au moins, il se montre. Nous, tu vois, on fait un peu pareil quand on fait des vlogs. Donc, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Détruis les orties, mais bien. Genre sale. Comme ça, on risque rien. Wesh, on dirait que tu arrives pas à viser. Fais pas comme ça, fais en ciseaux dans l'autre sens. Ah, mon spray dans la gueule. Chaudron. Attends, faut mieux détruire les orties. On s'en bat les couilles. T'as fait de la merde. On s'en fout, non? Vas-y, vas-y, tu t'accroches aux orties au-dessus. Au-dessus des orties, tu t'accroches. Fais voir mon bâton. Défonce-les. Voilà, comme ça, en tondeuse. Ouais, ça me touche. Ah, shit! Ah, mais pourquoi tu casses là? Ça sert à R. Vas-y, jump. Jump, je te l'envoie après. Wow, 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 wow. Escalade, vite, 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 vite. Vite! Hello. It's me. Alors, les gens? Là, il a mis le pied dans l'eau. Il a mis le pied dans l'eau. Alors, les gens? Quelle mauvaise idée de pas escalader d'un coup sec. Donc voilà, il a réussi. Moi je vous retrouve quand je suis passé. Donc là les gens, on peut pas faire de bruit. Parce que dans l'arbre là-bas, il y a une caméra. Et on peut pas passer là. Donc en gros ça se stoppe. Donc là, on va revenir. Ici je vais pouvoir passer en vidéo parce que c'est simple. Donc là on doit retourner. Au point de départ. Pour un vlog après. Après quoi on sera arrivé là-bas, d'accord? Ouais. Ok, vas-y. À tout de suite, décale-toi. Bon les gens, on a réussi à remonter, on peut de nouveau parler normalement, mais c'était hyper risqué. Est-ce qu'on se tente une aventure de ce côté? Parce que là au moins il y a personne. Ouais, et les gens, la caméra, on l'a vu. Ouais. Et t'as deux doigts de sortir. Ouais, de ouf. On a grillé. Mais attendez, quand on a coupé la caméra, vous savez ce qu'on a entendu? On a entendu. Je vous promets. Ouais. Regardez le bout de polystyrène. Alors, dites-nous dans les commentaires si le barrage est bien fait. Voilà, tout il est là. Bon, après, là-bas, regardez. Là-bas. Il faut déblayer. Déblayer, ouais. Et ici, regardez le courant, comment il est bas, ça bouge plus. Alors que là, regardez, tiens, fort. Un petit briquet. Un briquet encore? Ah non, mais ça, c'est celui de la dernière fois. Oh! Super, regardez, il y a un briquet. Attends. Voilà. Tiens, dégage le poli. Fais-le passer. Fais-le passer, après il va tracer avec le poli. I've been addicted to you. Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye my lover. Goodbye. Alors. Eh mais trop bien, c'est les pierres qu'on a enlevées. Les pierres, ah ouais. Ici on en a remis plein. Donc moi je trouve que ça fait un beau barrage parce qu'en plus là avec tout ce qu'on a mis, bah ça bloque bien l'eau. Et au moins ça la filtre. Parce que tu remarqueras qu'ici il n'y a plus de merde. Genre ça filtre l'eau. C'est pas un barrage mais c'est un filtreur. Ouais, là on a fait un bon truc là. Ça filtre, ça enlève toutes les merdes.
Mais évite de taper dedans parce qu'après ça ramène les merdes de l'autre côté. Voilà, on y va. Ok, alors on y va. Attends. Alors les gens, j'ai remis encore une fois mon pied dans l'eau. Ah ouais. En fait, il a comment dire. Sur la même prise que tout à l'heure. Ouais, non. Tout à l'heure, c'était sur là où on devait escalader, là où il y avait les orties. Et là, en fait, juste avant de partir, en fait, il a glissé sur de la terre. Ou alors le caillou, il a roulé, je sais plus. Et il a mis son pied dans l'eau. Parce que c'est con. Très con, même. Waouh, le niveau de l'eau, il a baissé de ouf par rapport à hier. Merde! Je l'ai cassé! J'ai cassé le bout de bois juste en le poussant, regardez! Eh, mais attends, ah bah voilà! Petit bâton assez long. Donc, ah, shit, il y a de l'eau. Mais il y a quelques pierres et que ça nous permet de. Ah bah ça va, ça a baissé depuis hier. Hein. J'explose les orties. Ah, mais putain, me pousse pas dans la ronce! Alors les mecs, plus tu nous pousses taper. Mais non, mais tu m'as poussé dans la ronce, enfoiré. Désolé. Comment c'est mouillé ici. En même temps, c'est normal. Je prends pas le réseau mouillé, mon pantalon. Bah, il est trop tard, il est déjà mouillé. Hein. Mais mon frère. Je vais pas le mouiller plus, c'est ça. Non. Oh, il a. Waouh, mais il y a ma sortie. Il va falloir qu'on aille de l'autre côté rapidement. T'inquiète, ça passe. Vas-y, on y va. On y va. Putain, il y avait les keufs, les mecs. Hein? On s'est fait repérer. Il y a les keufs qui s'est arrêté voir. Ils sont descendus. Et ils sont repartis. Oh, le petit oiseau. Oh, il y a un petit oiseau. Je vois pas bien, là. Non. Je sais pas. Oui. Oh, regarde, il y a une trace d'hier. Trace d'hier? Il y a des traces de chaussures. Ah, c'est mes chaussures, ça. Elles font des grosses marques visibles, moi, mes chaussures. Putain, j'en ai marre des ronces là, elles pètent les couilles. Bon, toile d'araignée. Bon, encore toile d'araignée. Putain, il y en a partout. Alors, les mecs, on progresse. Oh là, il y a beaucoup d'eau ici, c'est bien boueux. Il y a plein de bouillasse. La bonne bouillasse, sa mère, comme t'aimes pas. Va falloir switcher un moment. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de hauteur, du coup, ça va pas être pratique pour switch. T'inquiète, faut essayer de pas toucher les orties avec nos mains parce que c'est le seul truc vulnérable. Putain, j'ai des pics de ronces partout. Regardez. Là, il y a un pic de ronces. Ici, il y en a partout. Ouais, c'est pas stable. Donc, je vais devoir ranger mon téléphone. On se dit à tout à l'heure pour la prochaine séquence. Alors là, on a réussi à remonter, on est plus haut. Là, il y a moins d'orties. Merde, attendez, j'ai fait tomber mon bâton en plastique. Donc, il y a moins d'orties. Regardez derrière. On se pose, il y a un gros lac ici, c'est un mer. On va pas aller sur les rives, parce que là, si on tombe, par contre, c'est la merde. Parce que là, il n'y a pas de fond. Il y a des anguilles en plus. Ah ouais, donc on va pas y aller. Dégueulasse. Bon, donc... Ah ouais, il y a plein d'orties. T'es bien couvert au niveau des pieds? Ouais. Bon, on peut y aller. Donc, on se retrouve après, parce que si j'ai le téléphone dans les mains, c'est risqué de traverser des orties. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure, quand on sera passé. Bon, alors, les gens, il y avait des gens là-bas. Il y avait quelques chevaux, du coup, on n'a pas pu passer. Ouais, on n'a pas pu progresser, du coup, on a dû s'arranger un petit chemin dans les orties. Du coup, ici, bah, ici, on pouvait pas faire le vlog par ici. Donc là, j'ai tout pété à l'aide de ça. J'ai arrangé un petit chemin. Vas-y, passe pour montrer. Je mets ton pied. Au début, il y avait plein de ronces comme autour là. Et à l'aide de mon gros bâton, j'ai tout défoncé. Et c'est passé au calme. Fais gaffe, il y a une ronce là. Voilà, et là tu progresses. Et hop, surtout, t'attrapes pas à ça parce que ça, c'est une ronce. Donc voilà, on a réussi à revenir sans problème. Regarde-moi ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il a trouvé un énorme câble. Oh, moi j'ai. Mais mec, regardez ces pollueurs. Regarde-le, ça peut faire un fouet. Pour les fouetter, justement. Donc, du coup, on fait quoi? On sort? C'est alors, si tu veux, on peut renforcer le barrage. Non, là, je trouve, il est bien, ça fait un filtre. Ouais, mais regarde, les merdes, elles passent par là.
Non, elles ne passent pas. Non, elles sont bloquées. Parce qu'en fait, il y a une telle accumulation de merde devant que du coup, bah, elles passent pas. Là, par contre, ça a deux doigts, là. Ouais, mais non, parce qu'il y a une telle accumulation que du coup, bah, ça se bloque. Bon, alors. Je pouvais me casser la gueule. Comme un débutant. On reprend la trou. Je sais pas, ça dépend, on va faire quoi. Ouais, on va essayer de rester ici. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Est-ce que ça passe si je fais un fouet avec un... Ça va faire mal. Laisse-moi faire un fouet moi aussi. Toi t'as le jaune, ça fait bien mal. Et laisse-moi faire un fouet avec le noir. Tiens. Bon allez les gens, on se retrouve après. Bon les gens, là dessus, on sent que... Ma boule. Je suis sur le dessus de la balance. Et donc en fait on était dans la rue et il y a des gens qui nous ont embrouillés. Et du coup en fait il a mis des coups de pied à mon pote. Et mon pote pour le taper il l'a fouetté avec son fouet. Et après il a eu peur, il était en mode ah je pleure. Et du coup sa mère elle a voulu s'en occuper, elle est partie, elle les a engueulés. Bref, du coup, on n'a plus le droit de sortir pour l'instant, donc là, on s'amuse à l'intérieur, là. Oh là là, c'est un clash à la fin. Ouais, à la fin, en partant, elle a dit, ah oui, et va pleurer à ton père. Dans la tête, elle dit, oh, papa, papa, oh. Et dans la tête de ma mère, c'est de bête. Ouais, grave. Ouais, ça a bougé de ouf, là. En fait t'as l'impression que ça bouge beaucoup plus quand tu regardes en arrière et que tu te tiens pas. Bien quand tu te tiens pas, quand tu te tiens. Ouais. Maintenant on s'amuse bien. On a aussi une magnifique vue sur le terrain du voisin derrière. Donc du tout pour cette partie de vlog. On se retrouve pour la prochaine partie. Donc là les gens, l'histoire est réglée. Là on a transformé mon fouet en canne à pêche à cailloux. Donc là il est en train d'attacher un caillou pour essayer de le remonter. Donc ça n'a pas l'air si simple. On va pouvoir voir le résultat si ça va marcher. Ça c'est eux par contre. De quoi? T'as pas entendu les cris? Non. Eh bien les gens, là on fait des trucs de ouf. Donc pour voir les deux énormes cailloux. Attendez, je vais plus vous montrer. Donc là c'est celui à mon pote. Là c'est le mien. Un gros caillou. Donc moi je vais poser la caméra et on va faire des bombes. Donc allez, attends. Posons la caméra. Je vais faire une séquence en accéléré parce que en normal c'est un peu long. Donc là les gens, on a fini les bombes. C'était bien, vous pouvez le voir, mes bras ils sont tout rouges. Ça chauffe, ça gratte. Et lui il s'est coupé. C'était bien. Ça fait mal. Ouais, pour vous dire, on voit même plus ce qu'il y a dans l'eau là. Ouais, tellement elle est sombre à force d'avoir jeté. Mais coups. Tellement, en fait, c'est. Tellement que c'est. Tellement que les bras sont tranchants. Bah, montre. Tellement que les bras sont tranchants et infectés, ça pique. Tellement que les bords sont. Tranchant et infecté, ça pique en fait. Donc voilà, c'était la fin de cette séance bombe. Moi je vous dis pour la prochaine séquence, salut. Alors là on est en route, on est en direction de la partie séquence accélérée du chemin. C'est parti. Et alors là les gens, on est au resto. Parce que c'est un enfant, lui. Un filet de bœuf avec ravioli en gorgonzola, bon la salade, mon bon. C'est un steak frit, la base. C'est la base. Ouais. Bon ketchup.
Et l'euro, il tourne. Donc voilà, donc voilà, pour la prochaine séquence. Alors là, les gens, on est dans la rue du resto. On est sur une fontaine. Regarde, on se met bien. Donc là, elle n'est pas remplie du tout. Hein. Bah, sinon, on n'aurait pas pu monter, c'est ça. Enfin, si, mais ça aurait été risqué. Là, il y a des voitures. Le resto, il est là-bas. C'est pas le jaune, l'orange, c'est après. Attends, peut-être qu'on peut le voir. Moi, je le vois, vas-y, donne. Non, attends. Jaune, ah si, bah, c'est celui qui est encore après le jaune. Voilà. La petite porte. C'est ça, nous on est là. Bon, il n'y a personne, on est posé. Ouais, non, on est au calme, il n'y a personne. Tour des environs, un con. Fais le tour, là-bas il y a les pompiers. Tout là-bas là. Oh damn, j'ai failli tomber. Il a pu se casser la gueule, les gens. Non, non, mais ils ont. Là-bas il y a les pompiers. Enfin, on voit plus. Il y a les pompelards, mais je vois plus. Ça fait le tour, tu vois. Voilà, on a fait le tour. Là on se met bien clairement. On peut même descendre un peu. Bonjour, comment est-ce que ça? Regardez. Elle est où la troute? Elle est là-bas. Ouais. Voilà. Les mecs, on a vu une bombasse. Ouais, ah bombasse, sa mère la pute. Putain. Exceptionnel quoi. Ah mais c'était la bombasse du siècle. Bon, juste pour déconner, parce que j'y joue plus vraiment, mais là je me dis qu'on peut peut-être faire un petit court-métrage sur Pokémon Go. Ouais, si tu veux. Vas-y. Donc là je vais faire un gameplay Pokémon Go. A tout de suite. Et voilà, donc là on se retrouve pour le gameplay sur Pokémon Go. Alors, où est-ce qu'il est Pokémon Go. Ah merde, je crois... Ah, il est là. Oh putain, j'ai cru que je l'avais plus. Allez, le gameplay Pokémon Go. En vrai, je sais même plus si je suis connecté. Si, moi je te connecte à mon compte. Non, mais j'ai un compte, imbécile. Imbécile. T'as cru que je vais te connecter sur ton vieux compte là? Mais ta gueule. Frère, c'est quoi toi ton plus puissant? Hop, on met une fausse date. Putain. Moi je mets toujours le 11 septembre 2000, je sais pas pourquoi. Juste parce qu'en fait c'est une des dates les plus marquantes. Voilà. Alors. Bon, vous allez voir mon mot de passe du coup. Oh, c'est pas grave, je ferai un montage pour pas qu'on voit. De toute façon, au pire, on s'en bat les couilles. Qui va pirater mon compte? Ah, à vous, qui va pirater mon compte? Ouais. Surtout Pokémon Go, oui. Oh, stylé l'image de fond. Il y a des mises à jour, je pense. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est la mise à jour pack. Ou genre, tu sais, en mode ça, c'est un œuf de pack. C'est mon surprise, motherfucker. Il sort en mode bonjour, je vais te violer. Putain, par contre, le chargement il est long, même si on est en 4G, ça galère. Non, je vais pas recevoir de notifications parce qu'après ça me spamme les notifications. Moi, j'active jamais les notifications. Allez, ok. Ah, allez. Niveau 22. Ouah. Quand est-ce qu'il. Ouais, ça bat les couilles totalement. Signal GPS introuvable, mais fais soin. Y'a rien dans le secteur! Mais tu savais pas? Y'a rien à Melun! Bon bah les gens maintenant on sait ça, y'a rien à Melun. Regardez donc vite fait mes Pokémon. Quand c'est trié par date d'obtention, y'a que de la merde. Alors maintenant les points de combat, regardez, mon plus fort c'est un Ronflex. Après c'est un Dracolos. Bon alors par contre je sais pas ce qu'elle a la 4G ici, mais elle bug un max. Donc j'ai plein de Pokémon au-dessus de 1000. PC, ouais, PC, c'est ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. What? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 29, 30. J'ai dit 29, 31. 29, 30, 31. Ouais, j'en ai 31. Mes œufs, bah, pff, j'ai tout. Mais perso, les œufs. En plus, pour ce que j'ai eu. J'ai cru entendre un petit bruit. Penses-tu qu'il. Oh, si, en fait, il y a masse truc autour. Oh, double Pokéstop. Fontaine de Melun, bah, on est dessus. Ok, on récupère tout. Ah, ça, j'ai pas encore ça. On va faire une petite capture.
Ouais, vas-y, on le capture sur la fontaine. Wesh, je lui ai mis accès à l'appareil photo, mais... Non, ça c'est pour prendre une photo. 11 Pokéball. Oh, wow, on a que de la D. Pokéball. B, on a quoi? Ok, on a toutes les B. Non, pas de B. Mais, ah, voilà. Ok. Putain, 715. On part sur une hyperball. Ouais, clairement, si tu la perds, t'as les boules. J'espère qu'il ne va pas attaquer. Oui, je l'ai eu. Bon, on se rejoint après. Oui, on regarde juste la capture. Est-ce que ça a marché? Et oui, je l'ai attrapé. Donc voilà. Non? Donc voilà, on l'a attrapé. Wouah, nouveau Pokémon, première prise du jour. Oh, j'ai gagné 2320 XP, mon gars. 2320 XP. Oh putain, il y avait une marche. Le mec, il a fait un saut. Wouah. BG, on a chopé un. Attends, laisse, s'il te plaît, attends deux secondes. Chope l'autre Pokéstop. 3 Pokéballs, ok. De la merde, ok, donc. Y'a rien dans le secteur. Y'a des arènes, mais elles sont loin. Donc là, on va aller manger le dessert. Donc moi, je dis à tout à l'heure. On a mon dessert, il pète sa race là. Ah, de la glace au citron, de l'ananas et de la chantilly. Et lui, il a une glace de boule. Elle était beaucoup plus grosse. On a une glace de boule. J'en ai des plus grosses. À la vanille, recouvert de chocolat et de chantilly. Chantilly. On mange ça et après on vous donne notre avis. Donc là, les gens, on est de retour. Après ce bon dessert de famille qu'on a bien démonté. Regarde les porcs, Regarde ce qu'il a pissé. On l'a démonté le dessert. On va démonter. Donc What the fuck? What? Regardez. Vas-y, fais. Attends. Regardez, ça bouge. On se rend pas compte, mais il bouge. Wow. Il est pété. En fait, les gens, il n'est pas fixé. Je crois pas. Attends, bouge un peu. Ah ouais, non, il est pas fixé, il est juste posé. Attends, en fait, si on s'appuie dessus, il bouge pas, regarde. Voilà. Sur quoi on pourrait faire un petit gameplay, vite fait? Sur, je sais, moi. Non, mais sur quoi? Comme tu veux. Miam. Qu'est-ce qu'on a? Désolé, les gens, j'ai pas fait exprès, on se fait un petit gameplay sur quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc à tout de suite. Bien, on se retrouve après ça pour un petit gameplay sur Extreme Bike Trip, parce que ça fait extrêmement longtemps que j'y ai pas joué. Et aujourd'hui petite game. Allez, donc là ça charge. Ah voilà, donc alors, bike trip solo. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Dommage, je l'avais effacé, j'avais des motos de ouf, un truc de porc. Je propose qu'on prenne la 450 cm³. Hein, ouais, allez, on joue. Donc perso, mon perso c'est un flic. Je vais mettre la nitro ça. Un salto. Deux saltos. Trois saltos. Quatre saltos. Oh là là. Ah bah voilà. Par contre, on est mort direct après. On a fait quatre saltos, mais on est mort même pas une seconde après. C'est génial. J'aime ce jeu. C'est pas une mine, histoire qu'on s'envole un peu. Allez. Non, il y avait juste un plot. Ça, c'est con. Ah, faut qu'on passe level 34. Dans ce petit gameplay, là... Bon, il fait un max de bordel, mais... Dans ce petit gameplay, faut qu'on passe niveau 4... Je passe pas niveau 4, j'ai trop les boules. Enfin, 34. Wouah! J'arrête pas de foirer mes départs. Je vais à 2 cm. Oh, la mine! Oui, la mine! Allez! Oh
là là. Oh. Ok, là on avance. Là on fait du bon score là. On est encore sur la moto. On n'est plus sur la moto. On s'est pris une mine. Oh non, on aurait pu se prendre une mine. On l'a raté. On a raté la mine. Mais au moins on a fait 17 étoiles. Ça c'est pas trop mal. 17 étoiles, c'est même presque génial. On est encore loin du niveau 34. Hein. Très très loin du niveau 34. Mais on peut le passer. Enfin très très loin. Non, on est juste avant. Mais c'est hyper dur de passer niveau 34. Je sais même pas d'ailleurs si je suis pas déjà niveau 34 et je passe niveau 35. Je sais même pas. Front flip. Front flip. On atterrit. Back flip. Oh, il est passé juste. Moi, j'ai frôlé le sol, mec. Oh. Hop là, on passe au-dessus de la bosse. Hop. Oh. Allez. Bing. Bon. Non. Faut qu'on passe niveau 34 ou 35, je sais plus. On a pété le sucre d'orge. Presque niveau 34. Presque. Allez. On continue. On y est presque. On met la nitro. On met la nitro direct. Ouf. On met la nitro. On s'est cassé la gueule. Oh oui, on a atteint le niveau 34. Donc je suis content. Donc c'est la fin de ce gameplay. Et on se retrouvera pour la suite du vlog un petit peu plus tard. Donc moi je vous dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Alors là les gens, on joue à Forza Horizon 2 et on va se coucher. Donc c'est la fin de ce vlog. Donc cette partie 2, il y aura pas de partie 3, mais regardez, on fait des trucs dans ce style là, des accidents. Donc il y aura pas de partie 3. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était DragonX.